c'est Emma et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 du Battle Spot Challenge. J'avais déjà oublié le nom. Du coup, on va aller mettre la musique numéro 9. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques changements dans l'équipe. Je trouve que c'est moins bien, mais j'ai pas encore tous les objets que je voulais. J'ai vite fait envoyer 6 Pokémon parce que j'avais pas le temps. Du coup, j'ai vite fait envoyer parce que je vais en recapturer parce que j'ai deux box quasiment que je veux envoyer. Du coup, voilà. Alors, personnellement, j'ai adoré jouer avec Fulgurisse, mais là, ça va être un peu chaud. Je pense que je vais lead avec truc. Il a aucun Pokémon de type sol. Du coup, je vais lead avec Igualta, Choice Scarf. Mouchoir, choix donc. Après Minotaupe, c'est quasiment obligé. Puis pour tout son Metalos. Ouh. Amphinobi ou Betochef? Non, pas Betochef, il peut se faire anéantir par Psycho de Boule. Le problème, c'est son Pachmila. D'un côté, son truc, je le gère déjà avec Minotaupe. S'il faut. Et puis bon, comment Amphinobi est joué sur le spécial, c'est peut-être mieux contre Exagide. Oh, c'est parti. C'est là que... Pourquoi j'ai lu Terrakion? Shirachino. Très bon nom. Shirachino. Ah, oups. Est-ce qu'il aurait pas de truc? Non, il n'a pas le... Ceinture Force. Choice Band. Non. Non, pas Choice Band. Qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est... Ça, c'est truc. Merde. Le bandeau choix. Ouais, voilà. Putain, pourquoi est-ce qu'il envoie un Trioxydre sur un Pokémon qui vient d'utiliser Exploforce, quoi? Moi, j'espère avoir de la chance. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'être passé. Oh, mon Dieu. Utilise Vibre Obscur, c'est ça? Oh mon Dieu, et il perd des PV grâce à cause de la truc. Tu utilises Vibre Obscur, hein, c'est ça? Oh mais non, le type ténèbre contre le type métal, ça... Oh putain. Fuck me. Fuck me. Voilà, je lui ai mis les restes. Bonne idée, hein. C'est cool, hein, mettre les restes en Minotaupe. Quoique, je pense que c'est faisable. Il y en a des qui font un Gilugaldo. Gilugaldo, je n'ai qu'une chose à te dire, c'est... Vu que j'ai pas de danse lame, autant faire séisme. Non, il va faire l'âme sainte. Oh, pff. Non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh si. Oh si. Oh si. Oh, j'imagine déjà ce qu'il va faire. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah, j'ai gagné. Au revoir Minotaupe. Coucou Igualta. Mmh. Ombre portée, c'est bien ce que je me disais.
Au revoir. Au revoir, Gilugaldo. J'adore faire ça. Les mecs, ils se disent, putain, je vais le tuer, je vais faire toute son équipe avec ombre portée. C'est bon, je suis à fois. Je suis à plus 4. J'allais dire fois 4 quoi. Fois 3. Je suis à plus 4 quoi. Plus 4 fois 3. Je vais me faire toute sa team avec Shadow Sneak. Eh ben non, t'es baisé. Et j'avais vraiment envie de gagner 3-0. Du coup, je me disais, je vais mettre Rigolta. Rien à foutre. Et en plus, c'était logique qu'il allait faire ça. Je vais une fois mettre la 7. J'ai encore jamais écouté la 7. Du coup, voilà, première win. J'ai toujours pas de gage à faire. Et je ne triche pas, hein. Je fais pas genre je recommence les vidéos. Sinon c'est un peu con quoi. Je gagne tout le temps et au final le principe de la série est nul. Mais je dois vous avouer que quand j'enregistre j'ai de la chance, je tombe contre des plus mauvais joueurs. Là mon... Non non. J'ai rien dit. Le problème c'est son Alakazam. Il est chiant. Très chiant. Hyper chiant même. Parce qu'il est plus rapide que Roucarnage en non méga. Avec qui est-ce qu'il pourrait lead? Je le vois pas lead avec son Alakazam. Ou si justement vu qu'il a de mauvaises défenses. Ah putain quoi. Ça fait trop longtemps que j'ai plus joué à ce truc. Du coup. Ok, j'y joue depuis quelques jours à nouveau, mais j'ai plus cette habitude de me dire qui est-ce qu'ils vont envoyer en premier. Et là, je pense pas. Clamiral, on voit jamais ce truc. Hein. Peut-être son Dracaufeu en lead. Il me reste encore quelques secondes. Du coup, je vais attendre si je peux. Pas Beto Chef. Je me vois pas utiliser Beto Chef. Vu vol psy. Commençant d'en haut en allant vers le bas et puis un de droite. Du coup, ça me fait chier. Amphinobi peut-être. Oui, mais non. Si, Amphinobi. Oh, allez, hop, c'est parti. Je suis absolument pas sûr de ce que je fais. D'ailleurs, Higuelta et Amphinobi, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais Higuelta et Amphinobi, j'ai des petits qui sont prêts à 5 IV, timide ou modeste, ça dépend. Modeste pour Higuelta et timide pour l'autre. Ok, donc il a bel et bien le lead avec son Alakazam. Alors du coup, est-ce que je fais un truc? Le problème c'est qu'il peut faire un Exploforce. Du coup, est-ce que je fais Vibre Obscur ou bien est-ce que je switch vers Rook? Mais non, Roucarnage se prend un normal. Et vu sa puissance en méga, ça va faire mal. Je ne le tue pas, c'est pas grave. Éclat magique. Ouais. Ok. Ouf, il me fait rien. Ok, c'est un mec qui sait pas jouer. Putain, et il laisse son truc cramer quoi. Cramer, qu'est-ce que je dis? Oh putain, mourir. Après je me prends un coup, je fais un coup critique sur le deuxième tour. Bon ça va, j'ai rien perdu quasiment. Mais je suis bloqué sur le... Je continue, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Il peut me faire un séisme, il va me faire un séisme. Ce petit bâtard va me faire un séisme. I feel it. S'il fait pas un séisme, je me sens baisé. Oh, météo, non. Résiste, baby. Baby a résisté. Point météore.
Ouais, mais bon, j'ai pas joué à ça, moi. Hein. Oh, demi-tour, en plus, c'est de la merde. Oh, allez, j'utilise canicule. À la foutre. Je suis déjà... Je pense que je suis plus rapide. Oui, je suis plus rapide. D'office, d'office, d'office. La canicule, c'est pas ma préférée, là, ça. Dommage qu'il n'y ait pas la musique de Timmy. Ça, on m'avait dit dans les commentaires. Ou par Skype, je sais plus. Point météore, il l'a fait de nouveau. Ouais, bon. Allez. Je suis désolé, Rocarnage. Ouais, je pensais qu'il allait faire séisme. Du coup, j'ai fait ça, et puis merde. Non, j'ai mis ce clic. J'ai mis ce clic, je voulais faire changer clair. Ah merde. Merde. Ah oui, faire... Oh putain, ça. Est-ce qu'il est de l'aventure ou pas? S'il est de l'aventure, il a pas paratonnerre. Mais non, mais c'est quand il méga qu'il a paratonnerre. Les gens, ça m'énerve, j'ai perdu. J'ai perdu, Amphinobi ne peut rien faire contre ce machin. Oh putain, j'ai perdu. Juste à cause d'une bête erreur, quoi. Je voulais faire changer clair et je l'aurais tué. Oh putain, quoi. J'ai rien qui puisse le tuer. Avec mon truc. Et il est plus rapide que mon Amphinobi. Oh, for fuck's sake. Bon, en espérant qu'il ne méga pas. Putain, paratonnerre. Fait chier. C'était logique, qui joue Junko en non-méga, quoi. Voilà, je meurs. Et après, mon truc, il est moins rapide, je parie. Et s'il est plus rapide, je fais un laser glace et il est mort. Mais il sera pas plus rapide vu que le mien n'est pas timide et que voilà. Fuck you. Deux victoires. C'est bon. Putain, mais pourquoi je tombe toujours contre des merdes dans ce challenge? 145 de base de vitesse, mec. J'en ai que 122. Je suis même pas timide. Je suis modeste. Ok, j'ai mes deux EV à 255. Mais bordel, quoi. Oh. Non, on arrête. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je sais, les adversaires ne sont pas top top. Je vais essayer de trouver des adversaires qui sont bons en 6 contre 6, qui offrent quand même du challenge. Pour la prochaine fois, j'aurai déjà plus de Pokémon. Igualta était bon hein, dans cette vidéo. Igualta était bon et franchement, c'est un Pokémon que j'adore jouer. Il est en NU ou RU, mais j'adore jouer avec. Donc voilà. Écoutez, moi je vais vous dire au revoir, salut, bonne journée, à la prochaine, au revoir, joyeux Noël. Voilà, je ne l'ai pas dit encore aujourd'hui, mais c'est uploadé cette vidéo sera uploadée le jour de Noël. Donc voilà, joyeux Noël. J'espère que vous avez été gâtés. Et voilà, moi je vais vous dire au revoir. Salut, bonne journée, à la prochaine. Au revoir.